Kourtney Kardashian est à Paris en ce moment, avec son petit ami. Point sur Instagram, elle a montré d'une façon très particulière qu'elle s'est facilement adaptée aux traditions françaises. Pour la 10e saison de leur émission de télé-réalité, les Kardashian nagent dans le bonheur. En tout cas, les filles du clan. Point, si ce n'est pas vraiment la joie pour Rob, ses sœurs ne reçoivent que des bonnes nouvelles. Tout d'abord, la famille va accueillir non pas un, mais trois nouveaux petits membres. Point, Kim, qui a fait appel à une mère porteuse, aura une deuxième petite fille en janvier. Chloé serait enceinte de son premier enfant, et cerise sur le gâteau, Kylie, la cadette, devrait aussi devenir maman dans les mois à venir. Kourtney, qui élève déjà trois enfants, goûte, elle aussi, au bonheur. Point. Alors non, elle n'attend pas un heureux événement. Mais après une rupture très compliquée et interminable avec son ex Scott Disick, elle a enfin retrouvé l'amour dans les bras de Yoon Banjima, un mannequin français de 24 ans. En couple depuis plusieurs mois, les amoureux vivent leur histoire au grand jour et la sœur aînée des Kardashian semble plus épanouie que jamais. Après avoir passé leurs vacances à Saint-Tropez en juillet dernier, les tourtereaux sont de retour en France pour profiter des joies de la capitale. Match de foot, balade dans les rues parisiennes, visite, shopping, ils ont un programme très sympa. Et avant d'entamer leur journée marathon, un rituel s'impose, celui du petit déjeuner. Mais ce partagé par Kourtney et Yoon ne ressemble sûrement pas au vôtre. Si vous aimez prendre votre café et vos viennois cerises ou tartines tranquillement en pyjama, la sœur de Kim préfère se mettre encore plus à l'aise. Sur Instagram, la jolie brune a posté un souvenir de l'un de leurs petits déj. Elle apparaît un pain au chocolat à la main, en sous-vêtements, c'est pour être plus pratique pour les miettes, allez savoir. Et en plus de son attitude ultra sexy dès le réveil, elle montre aussi à ses abonnés que son bol friand lui a fait faire de beaux progrès en français. Un pain au chocolat s'il vous plaît, athée, elle écrit en légende du cliché. Attention, si un voyage dans le sud-ouest est programmé, il faudra lui apprendre chocolatine, s'ils veulent éviter un conflit.